Bonjour à tous, il est presque 15h, c'est l'heure d'ouvrir les portes de la station. On vous a encore concocté un bon petit programme de sport d'hiver avec plein de grands champions à suivre encore aujourd'hui. Des champions olympiques, des champions du monde et parmi eux, des Français bien sûr. Vous avec moi, je vais vous montrer le programme. On va ouvrir les pistes, la piste bleue pour démarrer. On y va en chasse-neige tranquillement, on finit tout chousse. Et bah, c'est ici qu'on a la meilleure vue sur nos événements de ce dimanche. Ça va se passer par ici. Qu'est-ce qu'on va suivre aujourd'hui dans la station? Évidemment, du ski de boss hein, pour le retour de Perrine Lafont à la compétition ce week-end au Canada. Ça a démarré hier en single, on est resté sur une quatrième place, ça nous plaît pas, on en veut plus. Et on va voir ce que ça donne aujourd'hui en parallèle. Chez les messieurs également, on suivra le français Ben Cavé. Et puis les mondiaux de paraski alpin avec toute l'équipe de France qui est en train de faire le plein de médailles en Espagne. On va vous raconter tout ça. Les mondiaux également de parabiathlon en Suède. Là aussi, on attend des médailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir nos spécialistes, hein, parce que je ne peux pas y arriver toute seule. Du côté de la télécabine numéro 1, je vais appeler Marie Martineau parce qu'on a un beau programme de ski de boss avec Jean-Charles Barrès. Les parallèles, ça leur est